Bonjour et bienvenue à cette 11e session d'initiation au développement Lightroom. Normalement, vous devez savoir ce qu'on va faire. Si vous voyez la photo, on va s'occuper des yeux rouges. Alors, il y a une fonction pour ça dans Lightroom qui se trouve ici, hein, correction des yeux rouges. C'est assez simple, donc on va cliquer dessus et vous voyez, il vous dit ce qu'il faut faire. Donc, éloigner le curseur du centre de l'œil ou cliquer pour utiliser la taille actuelle. Donc, vous arrivez sur la photo, il y a une taille qu'on peut modifier. Donc, si je clique et que je me déplace, je fais une nouvelle taille, d'accord? Et quand je lâche, eh bien, il va corriger directement les yeux rouges ici. Et je vais faire la même chose là. Je vais là, ce coup-ci, cliquer uniquement pour utiliser la taille par défaut qu'il me propose. Et ça me va pas mal. Il a trouvé les yeux rouges. Ce que vous pouvez faire après, c'est régler la taille de la pupille. Donc, vous pouvez diminuer, vous voyez, le rouge revient un peu, ou vous pouvez l'augmenter, d'accord? Et vous pouvez décider de l'obscurcir, ou vous pouvez décider de l'éclaircir, d'accord? Là, on peut même lui mettre un petit effet dans l'œil gris clair, si on veut. On va faire la même chose là, on va décider de l'éclaircir un peu, et on va augmenter la taille de la pupille. Voilà. Donc, on fait un petit avant-après. Voilà. Voilà. Voilà comment on corrige les yeux rouges dans Lightroom. Ça a été une vidéo rapide pour une fois.